Bonjour la coccinelle, ça va? Bonjour monsieur, oui ça va. Si ça va, moi ça ne peut que me faire plaisir. Oh là là! J'étais dans ma voiture, je vous ai vu. Vous êtes belle. Mais comment vous avez su qu'il allait dire ça? Excuse-moi mon frère, vous avez tous les mêmes techniques de drague, c'est ennuyant à la fin. Coccinelle, laisse-toi faire, hein? Je voulais juste t'inviter à boire un peu quelque part, c'est pas un souci. Ça va. J'ai bu à la maison avant de sortir. Merci. Oui, garçon, bonjour. Et comment? Ah, moi, t'as arrêté quelque part. Je vous écoutais. Tu dis que tu es fondé, elle dit quoi? Elle veut pas quoi? Vas-y, là. Ah bon? Où ça va? Hé, t'as moi, c'est rien qu'on quoi? T'as dit du cobra? Là-bas! Je te permets pas, hein. Ça veut dire quoi ça? Tu es malade? Tu es malade? N'importe quoi. Je t'ai pas empêché de causer avec lui. Mais quand deux personnes sont en train de causer là, on ne vient pas comme ça se mettre au milieu des deux. C'est très mal poli. Faut m'énerver. Hey, ma chérie, tu fais chaud, tu conjugues trop là. Et mon zèle là? Si je vais pas, moi je prie. On dit que quelqu'un laisse quelqu'un prendre. Moi je prends et puis toi je. Toi quoi? Elle a déjà bu. Oh, je suis là. Elle m'a bu. Hein? Ma gorge est sèche. Oui. Allons se désaltérer. Oui, on désaltère. Allons, mais. Elle est tombée comme du n'importe quoi. Madame, vous n'avez rien de cassé, j'espère. Merci. Mais madame, il y a quoi? C'est pas une manière de se comporter? C'est quelle manière de vous comporter ça? C'est à vous que je m'adresse, madame. C'est à vous que je m'adresse. Ah, ça va? Non, mais c'est ça. Hé, hey, y'a quoi? C'est une manière de se comporter ça. Mais putain, quand je me mêle même. Madame. Qu'est-ce qui se passe ici là? Y'a pas lui là. Il vient se jouer les sauveurs. Je sais trop lui à ça n'arrête quoi. Monsieur, de quoi je me mêle? En tant qu'homme, ça vous dérange pas de voir deux dames se bagarrer pour faire assis galardement dans la voiture? Ça vous dérange pas? C'est vous qui allez m'apprendre les bonnes manières? Monsieur. Oh, ça va pas chez vous? Je suis votre camarade. On se connaît? De quel droit vous vous permettez d'agresser ma copine? Ça va pas dans la tête? Vous êtes malade? Je vais créer des problèmes. C'est quoi ce comportement-là? Vous allez m'entendre. Qu'est-ce qui se passe ici? J'ai assisté à une bagarre entre deux dames-là. Donc je suis venu intervenir. La dame, avec le foulard, là, se permet de m'insulter, me traiter de n'importe quoi avec son copain qui est en costume là. Je ne sais même pas ce qui se passe. C'est lui. Monsieur Willy! Oh là là! Mais c'est pas vous que j'appelle depuis ce matin là! Mais en plus, c'est la voiture! C'est la voiture de service! Oh, grand chef, pardon. Vraiment, excusez-moi beaucoup. C'est ce chauffeur là qui devait vous prendre pour vous envoyer à Sini là-bas. Il a remplacé votre chauffeur qui est malade là. Donc il devait passer vous chercher aujourd'hui pour vous envoyer à Sini là-bas. Et depuis ce matin, on l'appelle, il ne répond pas. Mais c'est normal qu'il ne réponde pas puisqu'il est en train de se promener avec les femmes d'Abidjan. D'ailleurs, récupère les clés avec lui. Donne-moi les clés, donne-moi les clés. Dépêche-toi. Tout c'est ce que tu fais à Abidjan ici. Tu te promènes avec les femmes déjà avec la voiture du boss. Attends-toi. Je vais raccompagner la dame à l'hôpital. Puis, on se pense. Vraiment désolé. Pourquoi me faire? J'ai besoin d'un massage. Il y a pas de elle est sauvage. Grand patron, tu vas plus à la plage là? Non, la dame elle est prioritaire. Mais il a fait quoi pour lui? Mais elle a renvoyé, la question se pose pas. Chef, pardon, pour voir le grand boss, on va me renvoyer, pardon. Une femme a 6 enfants. Il y a besoin de travail pour la nourrir, pardon. Ah, donc tu savais que tu avais une femme et puis 6 enfants? Et puis tu te permets d'insulter le patron des gens? Moi je t'ai trouvé du travail à Bidjan ici, travail qui est dur comme ça là. Et puis tu veux gâter mon affaire? Tu veux mettre du sable dans mon attiqué? C'est comme ça? Tu es viré, virable! Espèce de chercheur de femmes avec voiture de patron des gens. Viens signer ta lettre de démission. Je suis assis à mon bureau là-bas, je t'attends. Bande de couillons, clochards, individus, indivisables. Regardez-moi ça. Quand les reste service à Bidjan, c'est comme ça, ils sont son visage. Donc toi, tu es un chauffeur. Moi, t'es dans mon coin, t'es rien demandé. Tu es venu me draguer. N'importe quoi. Mon sac. Mais laissez mon sac dans la voiture là, oh Seigneur. Seigneur, je suis foutu! Il y a l'argent des gens dedans! Il fait comment?